Donc ce caucus africain est un forum traditionnel qui se réunit avant les assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale qui ont lieu généralement en octobre et qui prépare le point de vue des ministres et des gouverneurs africains, donc du continent, vis-à-vis des points essentiels qui vont être discutés lors de ces assemblées générales. Vous avez vu les thèmes qui ont été inscrits, qui ont été d'ailleurs rappelés par Sa Majesté dans le discours inaugural, c'est-à-dire à la fois le problème de la dette, le problème de l'intégration régionale, le problème du climat, le problème de la sécurité alimentaire, le problème des jeunes. Donc ce sont les problèmes très, très délicats qui se posent à l'Afrique, surtout dans la conjoncture actuelle, après le Covid et surtout après la guerre russo-ukrainienne qui, évidemment, ont totalement perturbé à la fois la reprise mondiale, mais également poussé à cause, sur le plan alimentaire et énergétique, l'inflation à des niveaux importants et qui fait que le resserrement des politiques monétaires pose aussi des problèmes au continent africain. Évidemment, les échanges sont très intéressants. Nous avons terminé la première session qui portait sur la dette et où on voit qu'à travers les expériences et les problèmes qui se posent à chaque pays, l'échange de ces expériences sont très profitables aux uns et aux autres, mais où doivent converger précisément les conclusions qui feront partie de la déclaration de Marrakech et qui, évidemment, vont être le résumé de ce que la ministre des Finances marocaine qui préside cette année le caucus va les porter à la connaissance des dirigeants à la fois de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.